السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نشوفو une leçon de lecture intitulée Ashura, le jour des enfants. Alors, Ashura, هي عاشوراء, le jour des enfants, يوم الأطفال. Voici Ashura, هذه عاشوراء, notre fête préférée, عيدنا المفضل. Au Maroc, في المغرب, l'Ashura, Ashura, c'est la fête des enfants et de la famille. هي عيد الأطفال والعائلة. Ce jour-là, في هذا اليوم, tout est permis ou presque. كل شيء متاح تقريبا. Chaque année, nous adorons nous replonger dans les souvenirs d'enfance de Baba. كل عام نحب أن نغوص في ذكريات طفولة بابا. Celui-ci nous parle des feux de joie qu'il allumait dans la rue avec les copains du quartier. Le mot celui-ci ترجع لبابا. Donc نقدروا نقولوا بابا nous parle. بابا يحدثنا عن النيران التي أشعلها في الشارع رفقة أصدقائي الحي. Les pétards qu'il lançait. المفرقعات التي رماها. Les petites percussions que les membres de la famille élargie lui apportaient en cadeau. الآلات الإيقاعية الصغيرة التي أهداها له أفراد العائلة. Ses yeux brillent de joie en partageant ses souvenirs avec nous. عيناه تلمعان من الفرح وهو يشارك ذكرياته معنا. Nous aussi à la maison, نحن أيضا في المنزل, nous avons joué des percussions. لعبنا الإيقاعات. Et nous nous sommes régalés de fakia, fruits secs. وتناولنا الفاكهة اللي هي الفواكه الجافة. نمر الأسئلة. ناخذ la première rubrique j'observe et je découvre. J'observe l'image, le titre, le texte. Donc ألاحظ الصورة, العنوان والنص. Je décris ce qui est représenté dans les deux images. أصفو ما هو ممثل في الصورتين. Donc عندنا الصورة الأولى تتمثل un plat rempli de fruits secs. La deuxième image représente des percussions. Avec quel instrument musical jouent les femmes? بأي آلة موسيقية يلعبن النساء؟ Les femmes jouent avec des tam-tams ou des tambourins. À quelle occasion les Marocains offrent-ils des fruits secs à leurs invités? في أي مناسبة المغاربة يقدمون الفواكه الجافة لضيوفهم؟ À l'occasion de l'Ashura. Que représente pour toi le jour de l'Ashura? Donc, شنو تيمثل لك ولا شنو تيعني؟ تيعني لك le jour de l'Ashura. C'est comme un jour de fête pour les enfants. نمرو la deuxième rubrique, je manipule et je réfléchis. Première question, qu'est-ce que le jour de l'Ashura? ما هو يوم عاشوراء؟ Le jour de l'Ashura est une fête des enfants et de la famille. Qui parle dans le texte? من يتحدث في النص? Les auteurs. Qui est Baba? من هو بابا? C'est le symbole de l'Ashura et il est représenté par un homme. Quels renseignements apprend-on de l'histoire?
شنو تعلمنا من هذه الحكاية؟ L'Achoura est un jour de joie, de partage et de charité. Qu'est-ce qu'on offre aux enfants le jour de l'Achoura? شنو تنقدموا للأطفال يوم عاشوراء؟ Le jour de l'Achoura, on offre des jouets aux enfants. Je relève dans le texte les mots qui montrent qu'il s'agit du jour de l'Achoura. استخرج من النص الكلمات التي تبين أن هذا اليوم هو يوم عاشوراء. On a baba, feu de joie, pétard, percussion, fakia. Je relève les mots qui donnent des informations sur le jour de l'Achoura dans la rue, en famille. استخرج من النص الكلمات التي تعطي معلومات حول يوم عاشوراء. عندنا allumer des feux de joie بمعنى إشعال النيران. lancer des pétards رمي المفرقعات. jouer des percussions لعب الإيقاعات. se régaler de fakia تناول الفاكهة. نمرو لا تخوازيام روبريك جو روتيان. عندنا الشرح ديال هاد جوج الكلمات. asperger اللي هي inondé, arrosé بمعنى يرش او يسقي. adorer اللي هي aimer بمعنى يحب. quatrième rubrique je m'entraîne. je complète le tableau suivant. اتمم الجدول الآتي. donc عندنا le titre اللي هو العنوان. Achoura le jour des enfants. les auteurs اللي هما الكاتبتان وديعة بن نيس et Florian Mercier. la date اللي هي تاريخ إصدار النص. édition يوماد 2014. وعندنا la source اللي هي مصدر النص. les fêtes des enfants au Maroc. deuxième exercice, j'essaie avec l'aide du professeur et du dictionnaire de donner une explication aux mots suivants. donc احاول بمساعدة الأستاذ و المعجم بإعطاء شرح لهذه للكلمات التالية. premier mot percussion اللي تتعني آلة موسيقية أو آلة إيقاع. donc percussion c'est un instrument de musique dont l'émission sonore résulte de la frappe. les pétards اللي هما المفرقعات. ce sont des petites pièces d'artifice produisant une détonation. régaler. offrir un bon plat بمعنى تقديم طبق مميز. نمر لا 5e rubrique je m'évalue. je relève dans le texte les verbes conjugués au présent de l'indicatif et au passé composé. donc استخرج من النص الافعال التي تم تصريفها au présent de l'indicatif et au passé composé. بالنسبة les verbes qui sont conjugués au présent de l'indicatif, il y a est, l'infinitif de ce verbe est être. adorant, les voix adorer. parle, les voix le verbe parler. brille, les voix le verbe briller. بالنسبة les verbes qui sont conjugués au passé composé, maintenant avant jouer. l'infinitif de ce verbe, voit le verbe jouer. nous sommes régalés. Les voix du verbe se régaler.
vois la sixième rubrique, je consolide mes acquis. Je raconte par écrit en quelques lignes ce que font les enfants de mon quartier le jour de la Choura. Alors, احكي كتابة في بدء أسطورين ماذا يفعلون أطفال حي يوم عاشوراء دونك شنو كيديروا الأطفال في يوم عاشوراء عاشوراء هي la fête préférée pour les enfants دونك عاشوراء هي العيد المفضل لدى الأطفال ils lancent des pétards يرمون المفرقعات allume de grands feux يشعلون النيران saute et chante pendant des heures يقفزون ويغنون لساعات je m'exerce avec mon groupe à préparer un guide sur les fêtes marocaines هنا عندنا اتمرن مع مجموعتي لتحضير دليل حول الأعياد المغربية. Donc هاد لا كونسين خاصة بلو بروجي دو كلاس. كان هذا هو الدرس ديال اليوم. إلى اللقاء في درس آخر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.